Je vous demande, quelle heure est-il? Je vous demande, quelle heure est-il? Est-ce que c'est le temps? Bienvenue, chers frères et sœurs, vous êtes sur Message Vidéo. RBTS La Tabernacle, le rite se situe à Cape Town, en Afrique du Sud, où actuellement Message Vidéo est en train de résider. Bien sûr, en préparatif de cet événement qui aura lieu dans cette église chez le pasteur Louis Ponzo. Bien sûr, nous aurons tout à l'heure à découvrir ou soit à prendre un petit entretien avec le pasteur qui va nous donner quelques détails sur la dite événement et on se retrouve tout juste après. Qui est organisé ce mois d'avril. Bonjour pasteur. Bonjour mes bien-aimés. Pasteur, nous sommes dans vos portes. Merci d'avoir de nous avoir accueillis. Pour juste savoir, question sur la convention organisée qui commence, bien sûr, nous avons eu des quelques précisions sur la date du 4 au 10 avril. Du 6 au 10 avril 2016, qui aura lieu ici. Nous voulons un peu savoir quel est l'objectif de cette convention. Bon, premièrement, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous venez de le dire là, nous sommes en train d'organiser une convention qui aura lieu à partir de 6 avril. Vous êtes dans les messages, vous comprenez déjà la date là. Mm-hmm. Ça vous dit déjà quelque chose. C'est la naissance d'un grand homme de Dieu. Okay. C'est que, comme on dit, naissance, c'est le début. Donc, on commence à cette date-là, donc c'est le début de la convention. Parce que c'est la naissance de notre prophète. Alors, jusqu'au 10. Alors, le but principal de cette convention, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'était depuis 2010 que j'avais senti ce poids-là dans mon cœur de faire cette grande convention. C'est maintenant que... Mais on avait aussi organisé ça. On avait aussi organisé ça en 2010. Mais seulement lorsque je suis rentré au pays pour parler avec les anciens, j'avais trouvé qu'il y avait des problèmes. Alors, je ne pouvais pas faire la convention. Lorsque les parents ne s'attendaient pas, de nos parents spirituels, les gens qui ont crié avant nous, alors j'avais annulé cela. Bon, c'était sur, on devrait faire sur l'alphabet du Saint-Esprit. Okay. Alors pour moi, le désir profond, c'est que nous devons tous être d'accord. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la doctrine. On ne viendra pas pour échanger des idées. Tous nous croient la même chose sur le Saint-Esprit. Mais parfois, la manière de commencer, j'avais voulu que vraiment je puisse apporter une petite pierre. Que tout le monde comprenne ceci, que ce soit le pasteur, que ce soit la brebis, alphabet du message signifie, avant de faire quoi que ce soit dans ce message, tu dois premièrement rencontrer Dieu. Comme nous aujourd'hui, c'est la colonne des faits, c'est ça le but principal, nous voulons faire cela pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et le thème choisi pour... Le thème choisi, c'est « Restons avec l'onction de l'heure ». Pourquoi ce thème? Oui, c'est parce que c'est avec l'onction de cet âge que nous allons vaincre les diables. On ne peut pas vaincre les diables avec l'onction de l'âge de Paul. On ne peut pas vaincre les diables avec l'onction de l'âge de Luther, avec l'onction de l'heure. Parce que l'onction de l'heure traite les problèmes de l'heure. Alors nous devons rester avec cette onction-là, et rester de la manière dont Frère m'a prêché, rester de la manière dont Frère nous a montré comment on peut amener les gens au baptême du Saint-Esprit, alors pour que nous puissions voir les réveils dans ces messages. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner bien sûr, je vais noter quelques noms des orateurs qui pourront intervenir pour cette convention? Bon, pour le moment, vous voyez, on avait envoyé des invitations au moins à 130 personnes. Okay. Mais, comme des raisons de perturbations dans certains pays, pour des votes, vous connaissez, des troubles, bon, il y en a qui résistent, mais ah, parfois je ne sais pas si je viens, ma femme, hey. Bon, maintenant, mais il y en a qui seront là, on aura plus de 80 personnes. Alors, des gens qui sont connus, pas qui sont connus, mais je peux dire pour moi, qui sont vraiment comme des véritables guests que nous allons recevoir de nos hôtes, nous allons les passer Kalumbu, nous allons les passer Massamba Grégoire,
On allait passer Manze de Lissala, on allait passer Tchoumbango, passer Isolé là. J'ai mis ça en passant. Donc, on va découvrir qui est Isolé là. On a aussi des pasteurs français. Nous avons beaucoup de pasteurs qui viendront. Ah oui, ils sont là. Il y a même ici en Afrique, ici, nous avons des serviteurs de Dieu. Le vieux pasteur Beckett, il sera là. C'est lui qui va même ouvrir la convention si Dieu le veut. Et le pasteur Chessa. Ah, Blessing de Zimbabwe, c'est un grand pasteur, il a commencé longtemps quand même, il y aura des gens, des prédicateurs des États-Unis, de l'Europe, ah, ils seront là avec nous. Ils seront là. Ah, ils seront là par grâce de Dieu. Pasteur, aux gens, question d'invitation ou... Oui, bon, notre désir, nous ne voulons pas faire ça une convention fermée, faisons une convention ouverte. Alors pour moi, j'ai donné des invitations à tous les pasteurs parfois de Cape Town. Une fois que j'ai donné une invitation à un pasteur, c'est que automatiquement l'église est saisie. Bon, lui, il fera de ça ce qu'il veut. Moi, j'évite de donner l'invitation au brebis. Ça va parfois sonner mal. Ça va amener un soin incertain. Il a invité nos brebis. Moi, j'invite des pasteurs. Si lui-même veut inviter ses brebis, ça sera quelque chose de très bien. Pour clore notre petit entretien, et les lieux de la convention. Bon, nous, on pensait premièrement louer une salle. Après, on dit non, nous avons notre salle. Même donc, si on sera là confiné à l'église même. Ici à El Bethesda, Etlon, Choprat, nous sommes à Ossa, c'est exactement là. Ok, merci beaucoup. Vous avez vous-même suivi, messieurs et dames, chers frères et sœurs, les détails que le pasteur Louis-Ponzo nous a donnés. Espérons de vous revoir encore plus nombreux. La date, c'est du 4 au 10, du 6 au 10 avril 2016. Venez nombreux et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Ah, merci beaucoup, que le Seigneur Jésus vous bénisse aussi. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour ce moment-là. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Okay. Amen.